Quels sont vos âges à tous les trois? Vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 15 ans. Moi, je suis âgé de 14 ans. 14 ans. Moi, j'ai âgé de 16 ans. Et vous aviez quel âge lorsque vos pères sont morts? J'avais 8 ans. Moi, j'avais 10 ans. Moi, j'avais 8 ans. Et est-ce que vous vous souvenez de votre père? Je me souviens, oui. Comment était-il? Il était habillé en militaire. Il était Jundi. Et vous avez appris sa mort de quelle façon? Le fusil dans la main. Tué par un coup de rafale. Qui est-ce qui est venu vous l'annoncer? L'annoncer à votre famille? C'est un grand chef. Un combattant. Algérien. Et pour vous? Moi, je me rappelle de mon père lorsqu'ils l'ont tué à Mirzel Kébir. Et comment était-il? Il était un homme. Ils l'ont tué avec l'OAS, l'ont tué, en couvre-feu. Il y avait un couvre-feu. Ils l'ont tué avec un coup de rafale, à la corniche. Et quelle est la dernière image que vous conservez de votre père? Vous, là? Moi? Oui. C'est la première. Il était monté à la montagne pour faire la guerre. Et bien, quand il est mort, il est mort courageux. Et c'est un homme qui était avec lui. Il est venu pendant la nuit. Il nous a dit que votre père, il est mort. Qu'est-ce que ça vous a fait? Bien, qu'est-ce que nous avons fait? Bien, nous avons fait rien. Nous avons dit qu'il est mort pour son pays. Pour gagner son pays. Il est mort, c'est pas il est mort cadeau. Il est mort pour gagner son pays. Et moi, je me rappelle que je viens, que je travaille pour mon pays, pour qu'elle soit élevée de tous les pays. Et je travaille à la place de mon père.